Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette sixième partie du chapitre 1 de la saison 4 à Livonia de Fravexius. Donc du coup je sais plus où, qui c'est qu'on suit de base. Ah bah c'est le groupe de Rain justement. Ah oui, qui vont retrouver Roca et Bombinou du coup. Il est vrai. J'ai failli oublier ça. Les bois sont en feu. Niveau discrétion, on repassera. J'ai bien l'impression que le bonbon a perdu tout contrôle. Et dans ce cas, pourquoi ne s'en prend-il pas à la mage? Bah, parce que la mage, voilà quoi. Et du coup, je profite du coup pour faire un petit remerciement à Exarion, ouais, qui est sur le Discord, qui a permis de booster un petit peu la puissance offensive de la Swell. Merci à toi. Donc du coup, bon, les stats montrées pour tout le monde sont pas exactement celle-ci, mais bon. Bon, surtout la soile où la puissance, sa puissance offensive est clairement plus du tout à ce niveau-là. Et même, c'est de toute façon, vous avez bien vu que les PV étaient pas du tout là. Hein. Par rapport à ce qui est annoncé de base, hein, on est d'accord. Hein. Mais même Lid, du coup, y a pas, c'est pas exactement pareil. Ah oui, du coup, j'en profite. Hop. Triple. De toute façon, ça court à ADPM. Autant en profiter, hein. Et encore, hein, je suis pas sur son... sort offensif magique le plus puissant parmi celles qu'elle possède de base. Hein. Donc voilà, j'ai encore un peu de marge de manœuvre, hein, on est d'accord. On est proche. Cet endroit a brûlé il n'y a pas longtemps. Séparons-nous pour fouiller la zone. Si vous voyez la cible, sonnez l'alarme immédiatement. Et comment sonne l'alarme? Fais du bruit, crie, ce qui te passera par la tête. N'essaye pas d'accaparer les lauriers ou de jouer les héros. J'y laisserai la peau. Entendu. Je serai prudent. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire si c'est vraiment Roca et Bombinou? S'il n'existe aucun moyen de les sauver, je ne peux pas faire grand-chose. Non, je refuse d'abandonner. Il y a forcément un moyen. Tiens, c'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Et forcément, bizarrement, c'est dans la bonne direction. Donc du coup, il est le premier arrivé. Roca? Rain? Qu'est-ce que tu fais ici? Bon sang, c'était bien Bombinou le mécanisme. Rain, si tu veux m'aider, c'est pas de refus. Il est plutôt balèze. Si Roca se fait toucher, elle pourrait se faire infecter par une graine d'Oméga. Il faut à tout prix empêcher ça. D'accord, vainquons-le ensemble. Oui, boitez-lui le popotin. Hein? Bombinou? Cela fait bien longtemps, monsieur Rain. C'est un plaisir de vous revoir. Attends un peu. Si toi t'es là, c'est qui lui? Ah oui, c'est la même question que je pose.
Ah, quel soulagement. Le mécanisme n'était pas bon binou finalement. Pas la peine de se retenir dans ce cas. Rocard, occupons-nous de lui, mais... occupons-nous de lui. Avec plaisir. Quoi, comment ça, c'est pas bon binou qui est là? Bombina. Attendez, là, là, y a une douille scénaristique là. Là, je veux pas dire, mais là, on a une petite douille scénaristique, je pense. Hein. On va voir la finalité derrière après le combat, mais. Il y a une douille quelque part, hein, clairement, là. Il y a clairement un truc pas net derrière. Je sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose qui va pas. Par rapport à ce qu'on nous a montré, il y a quelque chose qui va pas, c'est sûr. Comment osez-vous? Quoi? Bien, partons. Eh ben, on dirait qu'ils sont partis. Ok, tu n'es pas blessé? Blessé? T'as oublié à qui tu parlais? Alors tu n'es pas infecté. On dirait que tu es au courant de ce qui se passe ici. Eh bien, je suis sans doute arrivé ici avant toi. Raconte-moi alors. Roca, qu'est-ce que tu fais là? Hein? J'ai déjà entendu cette voix quelque part? Ah oui, c'est vrai. Tu ne l'as jamais vue sans son armure. Si vous voulez discuter, faites-le sur le chemin. Nous avons une mission à accomplir. Trouvons cet oméganisme. Une mission? Cet oméganisme? Roca Bombinou, suivez-nous, je vous expliquerai plus tard. Bon, d'accord. Truc bizarre là. Ok, bon, faut attendre X, donc on est ok. X 2, ok. Qu'est-ce que c'est le plot twist sur par rapport à ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il se passe? Il fait une chaleur insupportable tout à coup. Restez sur vos gardes. L'oméganisme est sans doute tout proche. Oui, restez calmes et concentrés, les enfants. Ah là là. Calme, j'ai dit. Comment veux-tu que je reste calme alors que Roca est juste à côté de moi? J'ai jamais vraiment eu l'occasion de te poser la question d'ailleurs. Pourquoi ma tête ne te revient pas au juste? Tu avais dit que je ressemble à quelqu'un, je crois, non? Oui. Tu... Tiens. À qui tu ressemblais déjà? J'y crois pas. Je vais finir par penser que t'es juste complètement folle. Folle? Follement intelligente, oui. Je ne me rappelle pas à qui tu ressembles, mais le simple fait que je me souvienne à quel point ta présence m'exaspère est la preuve de mon génie. J'abandonne. Qu'as-tu pensé de nos adversaires, Rain? Ils sont forts, aussi bien l'oméganisme que la mage. Pas étonnant que l'Indécis n'ait rien pu faire contre eux. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'oméganisme semblait répondre aux paroles de la mage.
Peut-être sont-ils des amis inséparables comme Mademoiselle Roca et moi? Attention à ne pas pousser le bouchon trop loin, Bambinou. Je te rappelle qu'à peine tout à l'heure, tu gémissais pour une petite égratignure. Une égratignure? Ce bonbon a été blessé par un oméganisme? Attendez! C'est vrai que j'ai été blessé par cette chose qui ressemblait à un oméganisme. Mais Mademoiselle Roca m'a soigné avec sa magie. C'est vrai? Oui. J'ai lancé toutes sortes de sorts jusqu'à ce que Bambinou aille mieux. EX, Glace X, et j'en passe. Curieuse méthode. Mais au vu de son comportement, il ne semble effectivement pas avoir été infecté. Absolument, je n'ai rien à voir avec ce bonbon enragé. Hein? Pourquoi nous poursuivez-vous? Faut vraiment qu'on te le dise. On est venu éliminer l'oméganisme. Maintenant, à toi de répondre à notre question. Pourquoi t'associes-tu à cet oméganisme? Ce n'est pas un oméganisme. Elle s'appelle Bombina. Tu n'es donc suffisamment à ce monstre pour lui avoir donné un nom. Malheureusement, nous avons des ordres. Notre mission est de vous éliminer, toi et l'oméganisme. J'espère que votre amitié perdurera dans l'au-delà. Attends! Qu'y a-t-il, Rain? Il ne s'agit pas de Roca. Il n'a aucune raison de la défendre. Je sais qu'elles ont attaqué le village et que c'est inacceptable. Mais il doit y avoir une raison à cela, non? Tu veux que j'écoute ce qu'elles ont à dire? On croirait entendre Fina et son pacifisme à l'eau de rose. Dans ce monde, écouter les sentiments d'autrui ne mène à rien. Poursuivons-les. Et zut! Genre, Roca aurait trouvé la magie qui soigne d'une infection de... Bizarre, bizarre l'ambiance là, bizarre. On trouve ça très bizarre. Ou après, c'est la mise en scène qui a été faite exprès pour croire que c'était effectivement c'était Bambinou qui s'est fait infecter après avoir été blessé, mais... Mais c'est quand même très bizarre tout ça. Il y a quelque chose de très bizarre. Ah, est-ce qu'on va avoir un peu plus de 10 d'échanges possible? En tout cas, un truc a priori qui a l'air d'être réel, c'est que tout le monde court après Leftia, plus ou moins. Pour obtenir un pouvoir qui permette de dominer le monde, hein, clairement, c'est ça l'idée. Oh! On a décidé d'affronter son destin? Oui, ou plutôt... C'est vous qui allez devoir affronter le vôtre. Argue! Roca! Bambina, tue-les! Nini, demande l'autorisation d'utiliser les Ouïghars! Compris! Rui, Satan! Écoutons ce qu'elle a à dire! Pourquoi faire? Pleurer à chaud de larmes sur son triste sort? Pathétique! Ce n'est pas ça qui lui apportera un quelconque salut! Si elle et son oméganisme veulent survivre, elles n'ont qu'à nous vaincre. On doit s'emparer du salut de ses propres mains.
n'est pas quelque chose qu'on se voit offrir sur un plateau d'argent. Russe, Nelika, autorisation d'utiliser les Ouïghars. Parfait. Rain, tu t'occupes de la mage. Nous, on se charge de l'oméganisme. Très bien. Je m'appelle Rain, et toi? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dans un duel, chacun met sa vie en jeu. C'est pour ça que je veux connaître le nom de mon adversaire et qu'il connaisse le mien. C'est ridicule. Tu as l'intention de me tuer, non? Plutôt que de me demander mon nom, tu ne ferais pas mieux de m'attaquer par surprise ou quelque chose comme ça? Dans mon monde, il existe ce qu'on appelle la chevalerie. La chevalerie. C'est un code qui dicte que pour être un vrai chevalier, il ne suffit pas d'être fort. Il faut agir avec honneur. Voilà ce qu'est la chevalerie en gros. Tu es bizarre, toi. Possible. Je ne suis pas de ce monde, après tout. Je vois. Tu as passé un portail pour venir ici. Je m'appelle Wola. Très bien, je vais te raconter mon histoire, si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Bombina et moi sommes inséparables depuis mon enfance. Me crois-tu si je te dis qu'on peut se lier d'amitié avec un monstre? Bien sûr. Bon. On était amis. Et un jour, Bombina a essayé de me protéger d'un oméganisme. À l'époque, je travaillais dans un institut de recherche de Cherna. Un institut de recherche? Je sais donc parfaitement qu'il n'y a aucun moyen de soigner une infection par une graine d'oméga. Et pourtant, Bombina ne m'attaque pas. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas. Moi-même qui ai effectué de multiples recherches sur les oméganismes, je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce parce que nous sommes ensemble depuis l'enfance? Et voilà qui n'est pas très scientifique. Si Bombina venait à être découverte, elle se ferait tuer par Kared Wolf. C'est pour cela que j'ai quitté l'institut de recherche pour m'enfuir avec elle. Je vois. Au début, Bombina était calme, mais au fil des jours, elle est devenue de plus en plus agressive. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé au village. Mais c'est l'unité 6 qui a initié le combat. Enfin, tout cela n'a plus d'importance à présent. Merci de m'avoir raconté ton histoire. J'ai encore moins envie de t'affronter maintenant. Même si Bombina ne peut pas être soignée, je voudrais quand même t'aider. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible. Je vais te mettre hors d'état de nuire. Et ensuite, je m'enfuirai avec Bombina. Je fuirai aussi loin et aussi longtemps qu'il le faudra. Je comprends. Moi aussi, je vais me battre de toutes mes forces. Pas en tant que membre de Kared Wolf, mais en tant que chevalier de Grand Chelt. Ah bah, ça aura pas attendu longtemps hein, pour qu'il ressorte sa phrase fétiche. Hein. À partir du moment où il avait initié comme ça, je savais qu'il allait finir sur Chevalier de Grand Chelt. C'était obligatoire. Concentre-toi, Russe! Pas besoin de me le dire. Oh vraiment? Alors tu n'envies pas ce qu'il s'est passé avec Rain? Il est vraiment bizarre ce Rain, tu ne trouves pas? Étrangement, il ne me déplaît pas. Tu vois ce que je veux dire, Russe? Comme si ça m'intéressait. Je te suis reconnaissant de tenter de porter mon fardeau, mais n'est-ce pas un poids trop lourd sur tes épaules? Ne serait-il pas plus simple de rester dans l'ignorance et de nous entretuer? Non, pour moi ce serait bien plus dur. Tout le monde pense-t-il ainsi dans ton monde? Je ne peux pas parler au nom de l'ensemble de mon monde, mais pour ce qui est de mes amis, oui, ils pensent comme moi. Je vois, je t'envie un peu.
On va faire l'inverse cette fois. C'est terminé. Bombina. C'est le moment. Retirons-lui sa graine d'Oméga. Bien reçu. Oh non! Le bombo va s'auto-détruire. Quoi? Bombina! Bombo qui s'auto-détruit de base, bon, c'est quand même un peu violent, mais là. Y a pas plus d'impact que ça? Ça s'en sortit sans la moindre égratignure? J'arrive pas à y croire. C'est quoi ces Ouigars au juste? Bombina! Les Ouigars! Ce pouvoir maudit! Un pouvoir maudit? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu parler de Snowlinka. Oui. C'est cette héroïne légendaire qui a sacrifié sa vie pour vaincre Omega, n'est-ce pas? Oui. La protagoniste du récit héroïque raconté aux quatre coins de ce monde. Cependant, certaines parties de ce récit sont moins connues du grand public. Lors de son affrontement contre Omega, Snowlinka fut infectée par une graine d'Omega. Comment? Mais Snowlinka n'était pas une femme ordinaire. Loin de sombrer dans la folie, elle a absorbé le pouvoir d'Omega. C'est ce qu'on appelle la marque de transcendance. Le pouvoir qui alimente les Ouigars. Ah, très intéressant ça. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu appelles l'éveil du saint est connu sous le nom de marque de transcendance dans notre monde. Snowlinka utilisa la marque de transcendance pour vaincre Omega. Elle a combattu le feu par le feu, si tu veux. Son éveil du saint est le pouvoir d'Omega? C'est pour ça que Russ a dit que c'était une malédiction? Le pouvoir d'Omega, la marque de transcendance, a été transmise de génération en génération, produisant des armes telles que les Ouigars. Le monde entier est contaminé par Omega. Bombina était la dernière lueur d'espoir qu'il me restait. Plus rien ne me retient ce monde dorénavant. Allez-y, tuez-moi. Ce n'est plus nécessaire. Russe ? Nos ordres ont changé. Docteur Wola, nous devons vous ramener avec nous. Le QG vient juste de nous contacter. Qui eût cru que la mage que nous devions éliminer n'était autre que la jeune prodige de l'Institut de Recherche sur les Oméganismes? Tu quittes l'Institut de Recherche sans prévenir et voilà qu'on te retrouve ici. Je vais donc être retenu dans l'Institut de Recherche? C'est toujours mieux que de mourir ici, non? On sait désormais qu'il est possible de garder la raison même après une infection par une graine d'Oméga. Mais comment exactement? Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être étudié. Pas seulement pour toi. Pour le bombo qui est mort en essayant de te protéger aussi. Je suis tout à fait d'accord. Hmm.
Cette fille est ton amie? Oui. Enfin, on est presque comme frère et sœur, en fait. Et si pour dire des âneries, pareil, tais-toi. Hé. Oui. Cela vaut peut-être la peine de poursuivre cette recherche, finalement. Je vais continuer à vivre pour l'instant. Je comprends que l'éveil du sang, le pouvoir d'Oméga, se transmettent de génération en génération dans ce monde. Mais pourquoi se transmet-il aussi sur Paladia? Il y a encore tant de choses que je ne comprends pas. Ouais, parce que un de tes ancêtres vient de là, et puis en fait il est resté à Paladia, quoi, c'est tout en fait. En fait, c'est juste ça le principe. Il faut pas chercher plus loin que ça, à mon avis. Hein. Là, il part dans des questionnements de intenses, alors que bon, bah, la question est évidente quand même. Enfin, la réponse plutôt est évidente. Ah, retourne d'accord, de ce côté-là, très bien. Quiconque aspire à devenir un héros doit manger un solide petit déjeuner. Je crois tout de même que tu manges un peu trop, Julian. Tu l'as dit, je me sens ballonné rien qu'à le voir dévorer tout ça. Pour conserver un corps robuste, il faut le nourrir. Entraîner son estomac est une autre condition pour devenir un héros, mes jeunes amis. Hihi, tu es d'accord avec cela, Tebas? Ah, pardon, je n'écoutais pas. D'ailleurs, vous avez suffisamment bavardé. Nous ne sommes plus très loin de la base. Reprenons notre route. Evas n'est pas comme d'habitude. Oui, il a l'air de mauvaise humeur depuis qu'on a quitté ce village. Le village où il croit en la réincarnation. C'était certes un endroit sinistre, mais pas au point de donner le cafard à notre Tevas. Runda? N'arrête pas de penser à ce qu'a dit Tevas tout à l'heure. Chacun est libre de choisir ce en quoi il croit. Moi, je ne cherche pas le salut dans une prochaine vie. Si vivre est un fardeau, alors je le porterai jusqu'à la toute fin. Qu'entendait-il par là? Leftia, pourquoi t'inquiètes-tu pour Tevas? Eh bien, quand je suis avec lui, je me sens heureuse et pleine d'énergie. Alors, j'aimerais pouvoir lui remonter le moral, moi aussi. Rundan ne peut pas parler des problèmes personnels de Tevas sans permission. Je comprends. Mais Runda estime que cela serait bénéfique aussi bien à toi qu'à Tevas que tu sois au courant. Donc Runda va te raconter une partie de l'histoire. Autrefois, Tevas a perdu des personnes chères à son cœur. Des personnes qu'il chérissait plus que tout au monde. Tevas n'en parle jamais. Et personne n'en parle à Tevas. C'est tabou. Mais Runda pense que depuis qu'il a entendu ces histoires de réincarnation, Tevas ne cesse de penser à ces gens qu'il chérissait. Qui étaient ces personnes? C'est à Tevas de le raconter à Leftia. Si seulement Tevas pouvait en parler avec Leftia de sa propre initiative, je suis sûr que Tevas retrouverait le moral. D'accord, je vais essayer de faire en sorte qu'il s'ouvre à moi.
Voilà, ça c'est bien comme ça. Au moins on n'en parle plus. Ah, petite transition, ok. C'est le gros ours qui a un kikina. Saleté d'ours, hein, comme on dit, non? C'est pas ça? Je sais plus, bref. Youpi! Ça, c'est fait. Alors, on va essayer de parler à Tevas, c'est ça? Tevas? Est-ce que je pourrais te parler une minute? Désolé, Leftia, mais je n'ai pas vraiment le cœur à discuter en ce moment. Oh, mais on est vraiment pas que pour quelques instants. C'est urgent? Non, pas exactement. Alors attendons d'être arrivés à la base. Ce n'est plus très loin. On aura tout le loisir de discuter là-bas. Je comprends. Tu vas bien? Tu te fais du souci pour moi, c'est ça? Désolé si j'étais un peu distant ces derniers temps. Oh non, ce n'est pas grave. Tevas, attends. Des ennemis? Signature thermique au nord. 5 ennemis en formation en éventail. Une embuscade, hein. Leftia, Hervé, venez derrière nous. Hors de question, je veux combattre. Comme tu voudras. Mais retire-toi dès que tu te sentiras en danger. D'accord? Oui. Est-ce le groupe qui vous a attaqué aux abords du village de Leftia? Ça m'en a tout l'air. Oh là, c'est les rats. À la solde de qui êtes-vous? Parlez si vous voulez vivre. Si vous répondez sagement, je saurai me montrer magnanime et épargnerai vos misérables vies. Car je suis un héros. Donnez-nous Leftia. Et puis quoi encore? Plutôt mourir. Je vais me faire un plaisir d'exaucer ton souhait, gamin. Harvey, en arrière. Tu as vu cette attaque. Ces types ne sont pas des amateurs. Tu n'es pas prêt à les affronter. C'est hors de question. Je protégerai Leftia même si je dois y laisser la vie. Tevas, respecte sa détermination. Les hommes deviennent tous de grands guerriers quand il s'agit de protéger quelqu'un. Très bien. On y va tous ensemble alors. Versus assaillant. Mais comme c'est marqué. C'est déjà la fin de la zone, ça va être rapide, hein. Hey,
Hey, on a eu 6, il y a eu 6 ennemis en tout alors qu'ils étaient que 5, comment ça se fait? Ben, je sais pas. Magie du scénario, comme toujours. Faut pas chercher plus loin, hein. Et sacrifiant sa vie pour protéger Lestia, il quitta ce monde parmi les cris de détresse de ceux qu'il aimait. Ainsi mourut Julian, le véritable héros. Ah, pas pour cette fois, on dirait. Je crains d'être devenu trop fort. On a réussi. Tu as bien combattu, Harvey. Tu es devenu plus fort, c'est certain. Merci. Mais tu peux me complimenter autant que tu voudras, ça me fera pas plus plaisir que ça. Ah ah, compris. Oh! Tevas, des renforts arrivent. Oh, ils sont trop nombreux. Harvey, tu en as suffisamment fait. Reste en arrière cette fois-ci. Mais protège Lestia. Reste à ses côtés. D'accord. Tant de soldats juste pour s'emparer de Lestia. Tevas, qui est-elle vraiment? Je n'en sais pas plus que toi. On ne m'a pas révélé les détails. T'envoyer en mission sans rien te dire. Voilà qui est bien injuste. J'ai accepté la mission, alors je l'accomplirai quoi qu'il arrive. C'est mon devoir de soldat. Je vois. Peu m'importe qui est réellement Lestia. Je protège les faibles. Je n'ai besoin de nulle autre raison. C'est mon devoir de héros. Tant mieux. Protégeons-la ensemble. Oui. Ces deux-là sont forts. Mais... Hein? Une grenade à fragmentation? Non, c'est une grenade assourdissante. Malédiction. Lestia! Harvey, ça va? Oui. Où est Lestia? Ils l'ont emmenée. Non. Elle était juste à côté de moi. Ah! Ça suffit. Oui. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Rhonda, t'as un signal de traceur? Le traceur. J'avais mis un traceur sur Lestia au cas où. Signal reçu. Rhonda à sa position. Partons vite à leur poursuite. Tu seras de la partie, Hervé? Oui. Moi aussi. Les héros réussissent toujours à tirer les faibles des griffes du mal à la fin. Je sacrifierai ma vie pour qu'elle revienne parmi nous. Bien. Allons récupérer Lestia. Eh bien, je vais faire le choix de m'arrêter là pour cette fois-ci. Ouais, je pense, du coup, la prochaine fois, on devrait arriver, je pense, à la fin de ce chapitre premier. Et donc, voir un petit peu où tout ce petit monde va, ça va, comment ça va se finaliser. Du coup, il va y avoir des révélations de fin de chapitre, surtout. Et puis voilà, bref, je vous dis à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien!